Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en a jamais eu, Seigneur. Tu as prouvé que tu es le seul et l'unique. Quand ta parole se réalise, tu les as mises à défi. Qui est qui peut dire les choses et que les choses arrivent? Tu es le seul qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus à toi. N'est-ce pas toi qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Du reste, tu es le seul capable de faire cet appel solennel, demandant à tout l'univers, à tout celui qui veut, à quiconque, de venir à toi et de déposer son fardeau aux pieds, à tes pieds, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Que ta grâce soit encore en ce lieu ce matin. Nous voulons, oh Dieu, nous confier en toi. Seigneur, par ton esprit, nous prions, oh Dieu, que chacun de nous en ce lieu soit prêt à recevoir de toi ta bénédiction, ce que tu as préparé pour nous. Tu as dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Seigneur, oh Dieu, nous avons été là dans la semaine, tournant nos regards vers toi, invoquant ton nom pour nos vies, pour nos familles. Seigneur, nous croyons que tu es là ce matin au milieu de nous. Que ton nom soit encore élevé. Que ton nom, Seigneur Dieu, soit encore exalté et célébré. Toi, le Dieu fidèle et bon. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Merci Jésus pour ton bonheur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, c'est tellement grand, c'est tellement grand Seigneur. C'est tellement grand Jésus. Alléluia. C'est tellement grand que je pourrais le partager. Je veux t'acclamer Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chante, alléluia.
Place. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons prendre place. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Nous vous bénissons le Seigneur de la grâce qui nous accorde encore ce matin ou ce midi pour témoigner de sa gloire, de sa vie, pour partager sa parole. Amen. Vous savez que nous croyons en Dieu vrai, un Dieu réel. Beaucoup de chrétiens semblent croire à un Dieu imaginaire, à un Dieu qu'ils inventent dans leurs pensées. Nous, nous croyons à un Dieu vrai, un Dieu qui a existé sur la terre, sur la personne de Jésus, qui a été prouvé et vérifié scientifiquement. Notre foi est fondée sur le dire de Dieu, c'est-à-dire il dit des choses et il met les autres en défi, si ça va se réaliser, oui ou non. Alléluia. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la création humaine. J'aimerais que tu sortes d'un Dieu que tu fabriques dans ta tête. Dieu, il est vrai, il est réel. Il a donné une preuve aux hommes. Alléluia. La Bible dit des choses vraies, des choses qui sont vérifiées et vérifiables. Les historiens ont fait des études, ils ont vu que David a existé, le temple existe. La reine de Saba, Salomon, ils ont existé, alléluia. Ils ont existé sur la terre, on ne s'est pas été fabriqués, ce ne sont pas des mythes. J'aimerais que quand tu viens devant Dieu, que tu viennes rassurer, assurer que ce sont des choses réelles. Ce sont des choses palpables, ce sont des choses qu'on touche, qu'on expérimente. Si tu as encore des doutes, tu peux le mettre en défi. Tu vas chez toi, tu dis « je ne crois pas que tu existes ». Prouve-le-moi, il te le prouvera. Alléluia. Nous sommes en train de clôturer notre semaine ou 3 jours de prière pour l'ensemble de la communauté. Sur moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et je dis, nous avons vu comment les portes éternelles devaient élever les linteaux. On devait leur parler pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Et nous les avons obligés et ils ont obéi. Amen. Et le Dieu de gloire est rentré dans nos familles. Aujourd'hui, nous n'obligerons pas. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons ouvrir les portes de nos maisons pour que Dieu y rentre. Alléluia. J'ai une exhortation, une recommandation de Dieu. Nous allons parler du culte familial. Nous voulons parler de l'église dans ta maison. Il faudra que tel que nous sommes là, dans la maison de tout et chacun de nous, qu'il y ait une église, qu'il y ait un culte à la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on parle de culte, c'est une adoration, c'est une révérence à un Dieu ou peut-être à une personne. Vous avez déjà entendu parler du culte de la personnalité ou du culte de l'argent. Dieu aimerait que nous puissions le vénérer. Dieu aimerait que nous puissions le célébrer. Dieu aimerait que chacun de nous, chez lui, puisse avoir un endroit, un moment où il est en train de rendre un culte à lui, le grand Dieu. Alléluia. Durant l'humanité, depuis l'époque de patriarche, Dieu avait toujours inspiré des gens qui étaient avec lui. Quand ils arrivaient quelque part,
La première des choses, il bâtissait un hôtel pour Dieu. Alléluia. Il faisait tout, avoir un endroit, un lieu de rencontre pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Quand les patriarches croisaient le Seigneur, dès qu'ils voyaient que Dieu les avait révélés, dès qu'ils se sentaient que Dieu était en ce lieu, ils bâtissaient un endroit. Ils disaient, puisque je veux m'établir ici, en cet endroit, il faudra que je puisse avoir des moyens pour que je puisse être en contact avec mon Dieu. Alléluia. Ils l'ont fait depuis les temps anciens. Nous allons lire deux versets au début pour commencer dans Genèse chapitre 12. Deux passages plutôt, j'allais dire. Vers Zacharie, Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Chapitre 12, versets 7 à 8. Après, ça sera Genèse chapitre 13, versets 1 à 4, s'il vous plaît. L'Éternel apparit à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était à Paris. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Chapitre 13, versets 1 à 4, s'il vous plaît. Alors nous voyons que avant quand il a commencé à bâtir, avant même de construire sa maison, de bâtir des tentes où il devait habiter, il a d'abord placé un endroit. Puisque j'habiterai ici, il faudra que je puisse avoir un endroit où je viendrai rencontrer mon Dieu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 13, versets 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ce marche du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Amen. Amen. Alors nous voyons ici l'exemple de le papa, le père de la foi, Abraham, qui dans la rencontre avec Dieu, qui dans sa marche de tous les jours, chaque fois qu'il arrivait quelque part, c'est comme si dans le monde aujourd'hui, on dirait, chaque fois qu'il aménageait, ou il déménageait, il quittait un endroit, et il arrivait quelque part, l'endroit où il arrivait, l'endroit où il devait s'établir, il devait dans cet endroit le consacrer à Dieu et bâtir un temple pour qu'il puisse avoir tout le temps dans cet endroit-là un moment de rencontre avec son Dieu. Alléluia. Nous aussi, nous sommes établis quelque part, chacun dans sa maison, chacun dans son appartement. Dieu attend de nous, là où nous nous habitons, que nous puissions établir un culte en son honneur. Alléluia. Amen. Notre thème de la semaine, c'est « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Pour que tu puisses le servir avec ta maison, il faudrait que dans ta maison d'abord, tu puisses commencer à le servir. Le culte à la maison est une obligation pour un chrétien. Que tu vives seul, que tu vives toi et ton enfant, que tu vives seulement toi et ton mari, que tu vives toi, ton mari et tes enfants, il faudra que dans votre organisation, vous aurez un moment où vous rendez un culte à Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de parler de petites prières que tu fais à deux la nuit avant de dormir. Je suis en train de parler d'un culte. Un chrétien doit chez lui d'abord établir une mini-église. Ce que tu attends de l'église ici, il faudra que tu commences à l'appliquer chez toi. Si tu veux qu'ici qu'on respecte l'heure, chez toi, il faut que tu aies un culte où tu respectes l'heure. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? L'église d'aujourd'hui est faible parce que les chrétiens ne sont chrétiens qu'ici. Le chrétien ne prie qu'ici. Il partage la parole de Dieu qu'ici. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu aimerait que chacun de nous, tel que nous sommes là, même si je suis seul et que je prie tout le soir, mais que j'ai un temps où je dis ce temps, c'est un temps de culte,
où non seulement je prierai, mais je méditerai la parole de Dieu, où non seulement je prierai, je chanterai pour Dieu, où je me dirai que là maintenant, je suis en train de rendre un culte à mon Dieu. Je suis en train de vénérer le Seigneur mon Dieu. Et si je suis avec ma femme et mes enfants, c'est encore mieux parce que nous verrons la suite. De toute façon, tu n'as pas d'autre choix. La maison des couples chrétiens, comme je disais, doit être l'église. Il faut que tu sois capable, un jour, des gens viennent chez toi, tu leur dis « Bienvenue dans la maison de Dieu ». Parce que tu estimes que ce n'est pas chez toi. Que c'est Dieu qui t'a donné cet endroit. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Et tu verras que lorsque chez toi deviendra une maison de Dieu, tu ne te permettras pas toute chose chez toi. Vous savez que tu peux voir à la sortie de ce lieu, voir deux frères, soi-disant, de l'église se retrouver au métro en train de se battre ou de se chamailler. Ça va déjà te choquer un peu. Tu dis, ils viennent seulement de sortir de l'église. Mais si tu le vois se battre ici, est-ce qu'on est en train de suivre? C'est vrai que nous disons que ce ne sont que de quatre murs, non? Mais tu vas commencer à te dire, même dans l'église, pourquoi tu vas dire ça? Parce que tu estimes que dans cet endroit, on ne peut pas se permettre toute chose, vrai ou faux? Et alors, dès que ta maison deviendra une maison de Dieu, même avec ton mari, vous ne vous battrez plus. Parce que vous allez estimer que c'est une maison de Dieu. Et que dans la maison de Dieu, on ne dit pas n'importe quoi. On ne se chamaille pas dans la maison de Dieu. Et si chez toi devient la maison de Dieu, tu en prendras conscience. Et cette conscience, tu vas les inculquer à tes enfants. C'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël commençait à aller à gauche, à droite, notre terme de base, Josué leur dit, choisissez qui vous voulez servir. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Parce que moi et chez moi, nous avons pris l'engagement, nous avons pris la décision de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur doit d'abord être servi plutôt dans notre intimité, chez nous, dans la maison. Et ça, je le dis et je le répète, je le répéterai encore que c'est une obligation. C'est pourquoi le psalmiste avait dit, si l'Éternel n'est bâti la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Alléluia. Il faudra que Dieu vienne chez toi et que Dieu bâtisse ta maison avec toi. Alléluia. Il faudra que tu ouvres les portes de ta maison, toi-même ce matin, pour que Dieu puisse venir y habiter. L'église, je disais que la maison, la famille est une cellule de base de la société. C'est aussi une cellule de base de l'église. La manière dont nous vivons chez nous est le reflet de ce que l'église est. Alléluia. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas faire semblant. Si nous ne vivons pas bien chez nous, nous aurons des problèmes ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire un verset dans Romains chapitre 11, verset 16? Romains chapitre 11, verset 7. Verset 16. Excusez-moi. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Alléluia. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices, disent d'autres versions, sont consacrées, la masse est aussi consacrée. Les prémices sont les premiers fruits d'une récolte. Si vous arrivez dans un champ d'orangers, ou ceux qui ont eu la grâce comme moi d'avoir des manguiers chez eux. Quand vous avez un manguier chez vous et qu'il y a des fruits qui sont encore verts, avant que tous les fruits de l'arbre mûrissent, il y aura d'abord des petits, dans des coins, une mangue mûre. Et généralement, ce sont des chauves-souris qui les mangent et vous rendez compte que c'est tombé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ça ou pas? C'est-à-dire, si vous arrivez dans un champ d'oranges, vous verrez que les oranges sont vertes, mais de temps en temps, au milieu, il y aura des oranges qui sont mûres. Et ces oranges, là, ça s'appelle des prémices, c'est-à-dire le premier fruit des récoltes. Et c'est à partir de ce fruit-là qu'on sait si la récolte sera bonne ou pas. C'est-à-dire, quand les cultivateurs arrivent dans son champ, généralement, on le voit avec les vignerons ici sur TF1, on montre
avant, bien avant les rondages, c'est-à-dire ils viennent, regardent les raisins, les grappes, ils goûtent. Ils disent que ça sera sucré. Ça a été bien ensoleillé. Parce que les prémices, comme ils sont bons, il est sûr et certain que le reste sera bon. Est-ce qu'on est en train de suivre? Si les prémices sont consacrées, on est sûr et certain que le reste sera consacré. Alors l'église dans ta maison est le prémice de ce que nous sommes en train de faire ici. Si les prémices, si nos petites églises chez nous sont saintes, sont consacrées, cela nous rassure qu'ici, nous aurons une grande église sainte et consacrée. Est-ce qu'on est en train de suivre? C'est le principe que Dieu a établi dans la vie. Certains parmi nous, d'ailleurs nombreux parmi nous, ils l'ont fait. Quand tu as commencé à gagner de l'argent, ton premier salaire, beaucoup, ils l'ont donné à leurs parents. Vous connaissez la pratique, non? Est-ce que vous savez pourquoi on le fait? Peut-être que tu l'as fait, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu le fais pour que le reste de ton salaire soit gardé. C'est-à-dire tes parents ou la famille de tes parents, ils ne pourront plus te réclamer parce que toi, tu as déjà protégé le premier argent que tu as gagné. C'est pas ce que tu es en train de suivre. Dieu a dit aux enfants d'Israël, le premier-né qui naîtra de vous, mâle, mais sera consacré. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Quand le peuple lui ramenait le premier enfant, il le changeait peut-être avec un présent et il ramenait leur enfant. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il voulait dire que si cet enfant-là est donné à Dieu, cela sous-entendait que le reste de la fratrie était déjà donné à Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Si cet enfant était consacré au Seigneur, le reste de la maison était consacré au Seigneur. Et que personne ne pouvait les toucher parce que c'était gardé auprès de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'amassez pas vos trésors dans un endroit où la teigne peut venir toucher. Amassez-le là-haut où la teigne ne viendra pas. Mais ton argent, tu le gardes toujours dans ta banque, vrai ou faux? Mais Dieu avait voulu, ou Dieu veut que un jour tu te dis, Seigneur, moi je consacre ça, une partie de mon argent, en le consacrant à Dieu, ça protégerait tous les restes que tu gardais chez toi. Est-ce qu'on est en train de suivre? Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont gardées, le reste aussi est gardé. Si l'église chez toi, elle est bonne, elle fonctionne bien, la grande église ici sera gardée. Alléluia. Une famille qui prie ensemble, une famille qui partage la parole de Dieu ensemble, se protège de beaucoup de choses. Tu créeras chez toi une bonne ambiance. Alléluia. Tournez autour de la parole de Dieu. Tournez autour de la parole de Dieu. Et Dieu, dans la Bible, il a montré pourquoi ça devait être fait. Pourquoi l'autel familial doit être bâti solennellement. Dans Deutéronome au chapitre 6, frère Zacharie, s'il te plaît. Nous allons lire beaucoup de versets à la fois. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et puis ça sera le verset. Bon, là, on le verset 6, 6 à 7. Genèse 18, 17 à 19. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Genèse 18, 17 à 19. Genèse 18, 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui, la puissante, pas seulement la grandeur, vas-y. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils. Afin que? Qu'il ordonne à ses fils. Et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Ainsi, il a dit qu'il sera grand, je le bénirai,
Mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Sa prospérité sera bénie parce qu'Abraham a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit inculquer ses paroles à ses enfants et à ses descendants. Alléluia. Amen. Les enfants dans la maison, est-ce que les enfants sont là? Vous n'avez pas le choix. Il faut les obliger. Est-ce que vous êtes là? Ils n'ont pas de choix. S'il veut manger, il faut qu'il participe déjà à la prière. Alléluia. Je vais vous lire un verset rapidement avant qu'on revienne. On va lire dans 1 Timothée, je crois, chapitre 5. Ça te concerne que toi, enfant. C'était là. 1 Timothée, chapitre 5, versets 4 à 8. Si une veuve, verset 4 donc, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas besoin de sien, n'a pas soin. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Amen. Quand on lit ce verset, généralement, on incrimine les parents qui doivent donner à manger dans la maison. Mais en fait, ce verset est adressé d'abord aux enfants. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans l'église, il y avait des veuves et qui devaient être prises en charge à l'église. Mais on s'est rendu compte que ces veuves-là, c'est-à-dire leurs maris, sont morts dans un âge avancé. Et ils avaient des enfants qui étaient déjà grands. Est-ce que vous allez me suivre? Mais eux, elles plutôt, elles venaient chercher l'aide à l'église alors qu'ils avaient déjà des enfants et des petits-enfants. L'apôtre Paul explique à Timothée, fais attention, au verset 4, il dit, si tu vois une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils, c'est les petits-enfants et les enfants, alléluia, apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Les enfants, vous êtes obligés d'aider vos parents. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Tu vas l'abandonner dans une maison de retraite avec des cacas, excusez-moi le terme, et tu vas t'en tirer facilement. D'ailleurs, en France, la loi oblige. Si tes parents sont abandonnés quelque part, on va t'attraper avec ton salaire, on enlève, on donne aux parents. Alléluia. Et pour que les enfants comprennent ces choses, il faudra que tu puisses les inculquer cela. Alléluia. Ils ne vont pas les inventer. C'est pourquoi Dieu a dit, prends tes enfants, enseigne-le, inculque-le, oblige-le. Je connais un homme, le mari d'une amie à moi, il est Kimbanguis. Avant de se marier avec mon ami, il a eu un premier mariage avec une Européenne et il a des enfants, des grands-enfants adultes. Et ils ont divorcé. Quand ils ont divorcé, ils sont partis au tribunal. On lui a demandé, comme conseiller familial, passion alimentaire, c'est ça hein? Passion alimentaire, des choses comme ça. Il a dit à son ex-femme et au juge, si vous voulez la pension alimentaire, les enfants doivent être des Kimbanguistes. Je vous dis, ce sont des grands garçons, 22, 24 ans, métis. Les dimanches, ils sont pieds nus en vert blanc. Ils finissent l'église, le soir, ils prennent leur sac, ils vont dormir chez leur maman. Le samedi soir, ils sont obligés de venir. Si tu veux manger, tu es Kimbanguiste. Point barre. Je les ai vus. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des Congolais comme moi. Les enfants, vous n'avez pas de choix. Votre bonheur dépend de ce que vous êtes en train de faire à la maison. Alléluia. Votre bonheur dépend de ce que vous êtes en train de faire à la maison. Si vous lisez la Bible, vous verrez l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü a raté la bénédiction d'abord parce qu'il s'était marié contre ses parents. Est-ce que vous avez jamais lu ça? Il s'est marié contre la vie de ses parents. La Bible dit que sa maman était dans l'amertume, sa maman était devenue malade parce que les parents des épouses qu'elle n'avait pas validées. Alléluia. Donc le culte dans la maison est une obligation pour nous. Proverbe chapitre 22, verset 6, nous le connaissons tous. Instruit l'enfant dans la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans Deutéronome chapitre 6, là où nous venons de lire, écoutez ce qui est écrit. Deutéronome 6, je vais lire rapidement, à partir du verset 20, il est écrit ceci. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves des pharaons. J'ai lu à partir du verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Alléluia. Dieu dit que toi, parent, tu dois apprendre cette parole pour que si ton fils un jour ou ta fille un jour te pose des questions, que tu sois capable de répondre. Vous n'avez pas lu ça? Le verset 20, frère Zachary, lis les encore, s'il te plaît. Le verset 20, Deutéronome 6. Deutéronome, chapitre 6, verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? 21. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là pour l'instant. Donc il dit, les parents doivent se donner la peine d'apprendre les livres pour qu'ils soient capables de les enseigner à leurs enfants. Même si tu es seul avec ton enfant, il faut que tu aies un moment où tu dis, il y a des Bibles pour les enfants, des Bibles illustrées. Aujourd'hui, même avec Internet, tu peux les trouver gratuitement. Et tu ouvres, il y a des chansons qui passent, qui les enseignent. Alléluia. Il y a des pensées du jour. On en parlera après pour si tu as du mal à le faire chez toi. Il y a des lecteurs de la Bible où tu achètes un calendrier. Tous les jours, il y a des versets où on explique. Tout est là pour que tu t'arranges chez toi. Qu'il y ait un moment entre toi et ta famille où vous ouvrez la Bible, où vous priez le Seigneur. Si même il faut faire des offrandes, vous le faites. Vous pouvez vous ramener à l'église. Et nous voulons voir des exemples des hommes dans la Bible qui ont amené les cultes chez eux, qui l'ont fait, qui ont ouvert leurs portes pour que Dieu puisse entrer plutôt chez eux. Job chapitre 1, verset 1 en 5, nous lirons. Après, nous lirons 2 Rois chapitre 4, verset 8. Et 2 Samuel chapitre 6, verset 9 à 12, s'il vous plaît. Je veux le reprendre. Job chapitre Job, 1, verset 1 à 5. On va lire d'abord ça. Job chapitre 1, verset 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Oh, amen. Nous voyons, la Bible présente ce qu'était Job. La Bible dit, il était riche et il était le plus considéré. Il avait une notoriété. Et avec tout ce qu'on a cité comme bien, il devait être un homme très occupé. Alléluia. Amen. Mais malgré ses occupations, il prenait le temps de réunir tous ses enfants, 10, et de faire la prière pour chacun d'eux. Alléluia. Et de faire la prière pour chacun d'eux. Il a ouvert
sa maison pour que Dieu puisse y entrer. Alléluia. Dans 2 Rois, au chapitre 4, je lis à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem, nous connaissons l'histoire. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. On est à 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Le verset 9 dit, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Alléluia. Amen. Écoute le verset 10. « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alléluia. Amen. Il a dit à son mari, « J'ai remarqué que cet homme, c'est un homme de Dieu. » C'est-à-dire qu'il a reconnu la présence de Dieu. Il a dit à son mari qu'on ouvre la maison. Alléluia. Et qu'il y ait une place, une chambre haute où il viendra faire le culte de Dieu. Et que cela soit fait chez nous. Alléluia. Amen. Et dans 2 Samuel, on lira plus tard, nous connaissons l'histoire de l'arche. L'arche était sortie et l'Israélite a mené l'arche. À un moment donné, l'arche a penché. Uzi a touché l'arche. Quand il a touché l'arche, la Bible dit qu'il a été frappé du coup, au même endroit. Au même instant, il est mort. David a eu peur. Il a dit que l'arche ne viendrait plus chez moi. Alléluia. Et l'arche est partie chez quelqu'un d'autre. La Bible dit que quand l'arche est allée là-bas, cet homme était béni. Quand il a ouvert la présence de Dieu dans sa maison, la Bible dit qu'il a été béni. Il y a une histoire que vous connaissez, vous ne savez pas d'où ça vient. Les gens viennent dire à David, tu sais là où est partie l'arche. Cet homme-là, il est béni, c'est terrible, tu ne peux même pas voir. Nous sommes sûrs parce qu'il avait ouvert sa maison à l'arche de Dieu. David dit, on va la récupérer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 9. 2 Samuel, chapitre 6. Nous commençons la lecture au verset 9. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissances. Continue. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sanctifia un bœuf, et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. On va danser comme David, parce qu'il savait que l'arche revenait. Il savait que là, il y a la bénédiction qui est en train d'arriver. Alléluia. Amen. Jusqu'au point où il a choqué sa femme. Sa femme ne comprenait pas. Pourquoi sa femme était choquée? Pourquoi il danse comme ça, ce type? Bizarre, mais David avait compris. Ce truc-là, il était là-bas. J'ai vu les affaires que ça donnait. Alléluia. Amen. Je sais déjà ce que ça va faire chez moi. Comme c'est en train de venir, il a commencé déjà à danser au point de scandaliser sa femme. Parce qu'il savait que la présence de Dieu qui venait chez lui rapportait la bénédiction. Alléluia. Quand il ouvrait la maison à la présence de Dieu, cela lui rapportait la bénédiction. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de 2 Rois, chapitre 4, là où nous sommes en train de lire. Nous sommes en train de parler maintenant des conséquences quand tu ouvriras ta maison pour Dieu, ce qui va arriver. Quand l'arche rentrera chez toi, comme chez Obed-Edom, la bénédiction de Dieu entrera chez toi. Quand cette femme a fait rentrer le prophète chez lui, Géasi, le prophète dit à son serviteur, elle nous a fait rentrer chez elle. Qu'est-ce qu'on lui donnera? Ils sont en train de regarder, ils n'avaient rien. Et puis son serviteur lui dit au prophète, elle n'a pas d'enfant. C'est comme ça qu'elle a eu l'enfant. Il lui dit, on va déclarer la parole et il aura l'enfant. Vous remarquerez que si vous lisez l'histoire, un jour, l'enfant était décédé. La femme dit au prophète, je ne te l'avais pas demandé. Alléluia.
Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Puisque tu feras entrer Dieu chez toi, des choses arriveront d'elles-mêmes. Alléluia. C'est la conséquence quand tu ouvriras ta maison à la vie de Dieu. C'est la conséquence quand tu ouvriras ta maison dans la vie de Dieu. Ouvre ta maison pour le Seigneur. Fais en sorte que le culte de Dieu puisse se passer chez toi. Alléluia. Ce culte de Dieu dont je suis en train de parler chez toi, c'est entre toi, ton mari et tes enfants. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens manipulent les autres où ils pensent que pour prier, il faut prier que dans les maisons. Alléluia. J'aimerais juste donner deux mots sur ça avant de clôturer. Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 2, verset 46? Et puis Actes chapitre 5, verset 42. Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ici, l'Église venait d'être créée, devenait d'être née. Et la Bible nous montre que les gens se réunissaient dans des maisons. Mais la Bible montre clairement aussi chaque jour, ils étaient assidus au temple. Ça, ce n'était qu'au tout début. Ce n'était pas encore d'église de maison. Ce n'était pas des gens qui se réunissent. Je peux le dire ici déjà, que lorsque nous nous réunirons dans nos maisons, lorsque nous mettrons le culte de Dieu chez nous, la paix et la bénédiction qui sera chez nous fera en sorte que les voisins commencent à venir se réunir avec nous. Alléluia. Mais il faudra que tu aies toujours un temps avec les voisins et un temps avec toi-même. Parce que l'église dans la maison, l'église dans la maison, c'est d'abord l'église de ta maison. Est-ce qu'on entend me comprendre? Ce n'est pas des individus qui se réunissent dans un appartement où avant de commencer, ils regardent les bouteilles de Jack dans la vitrine. Après, ils font semblant de prier. Ils disent que non, il ne faut pas prier dans les églises, il faut prier dans la maison. Ce n'est pas ça. Les apôtres priaient dans des maisons au début et ils étaient au temple. Alléluia. Et après, l'église a commencé à se développer et a commencé à avoir des églises dans des maisons. Alléluia. Il y avait des églises dans des maisons où les disciples se réunissaient dans les maisons. On va lire Actes chapitre 12. Je lis Actes chapitre 12, le verset 12. Actes chapitre 12, je lis le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Verset 17, il dit ceci. Pierre, ayant levé la main, fait signe de se taire, leur racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Quand la persécution était venue, les disciples ont développé un système où ils commençaient à se réunir dans des maisons. Alléluia. Ils se réunissaient en cachette et ils priaient. Et c'était tellement bon qu'ils ont développé cette vie des églises de maison que nous sommes en train de dire. Mais ces églises de maison dépendaient des apôtres. Ce n'était pas des gens qui sont indépendants et disent « Je ne suis pas avec vous, nous on prie dans notre coin. » Acte chapitre 11 dit ceci. Chaque chapitre 11, je regarde rapidement le verset 22 puisque le temps avance. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Alléluia. Ils étaient membres d'une église où ils avaient des autorités et des responsables. Que tu peux lire dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, j'ai lu le verset 4, il est écrit. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Et ils rencontrèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alléluia. Bien qu'ils pouvaient se réunir dans des maisons, mais ils étaient toujours sous l'autorité des anciens et des apôtres. Au verset 22, il est écrit, « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas. » Alléluia.
Donc il y a eu un développement des églises dans des maisons, mais ces églises étaient développées à partir d'une église, de la grande église, qui était dirigée par les anciens et les apôtres. Alléluia. Qui les dirigeait ces jeux. Ce n'est pas des gens qui viendront vous voir que ce n'est plus ça dans le Nouveau Testament, on ne dit pas ça. Parce que la vraie église de maison, c'était la conversion de Corneille. Corneille était le premier qui s'était converti, lui et toute sa maison. Les autres se réunissaient comme ça. Mais la vraie église a commencé à partir de Corneille. Et à partir de Corneille, tu peux lire l'histoire dans Actes, chapitre 10, tous les chapitres. Parce que quand les gens se convertissaient, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ils ouvraient leur maison à Dieu. Actes chapitre 16, frère Zacharie, versets 13 à 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ah, il y avait un lieu de prière. Vas-y, continue. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fît attentive à ce que disait Paul. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses insistances. Verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté le frère, ils partirent. Amen. Lydie a été gagnée dans un autre endroit, dans un endroit où il y avait des rassemblements de gens, une sorte de campagne d'évangélisation. Alléluia. Lorsqu'il a été gagné, il a fait la demande aux apôtres. Est-ce que vous ne pouvez pas que chez moi aussi, les gens puissent venir prier? Alléluia. Et cet endroit est devenu un endroit de prière. Mais il y avait un autre endroit où les apôtres se réunissaient, où ils gagnaient des âmes. La Bible montre même dans Actes chapitre 19, verset 9, un jour il y avait beaucoup de monde, Pierre est allé louer une salle. C'est écrit dans la Bible. Il est parti dans l'école de Tyrannus, il a demandé qu'on lui donne une salle pour commencer à réunir les gens. Mais quand ces gens-là se convertissaient, ils venaient auprès des apôtres tellement que c'était bon. Ils voulaient que ce qui se passait là-bas puisse se passer aussi dans leur maison. Alléluia. Ils en connaissaient la valeur. Ils en connaissaient la bénédiction. C'est ce que je suis en train de venir te dire ce matin par le nom de Jésus. Que tu puisses ouvrir ta maison à Dieu. Alléluia. Que tu puisses ouvrir ta maison à Dieu. Au culte de Dieu, toi, ta famille, tous tes enfants et tous ceux qui vivent chez toi. Que vous puissiez avoir un moment. Peut-être pas tous les jours. Peut-être pas 2 heures. Même 10 minutes. Commence à dire à tes enfants, désormais, tel jour, de telle heure à telle heure. Même si tu étais à Malouéka, tu fais tout pour revenir à la maison parce qu'à ce moment-là, nous tous, nous allons nous réunir. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Tu vas les obliger. Si tu es seul, prends la décision que moi seul, tel jour, tel autre jour, de telle heure à telle heure, je veux m'asseoir et j'ouvrirai ma Bible et je ferai un culte pour mon Dieu. Alléluia. Vous lirez chez vous Actes chapitre 20, verset 20, on ne le lira pas. Et mais si quand vous mettrez le culte chez vous, la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, instruis l'enfant dans la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Nous allons lire 3 versets de suite. Genèse chapitre 21, verset 33. J'aimerais que vous écriviez avant qu'on puisse lire. Genèse chapitre 21, 33. Genèse chapitre 26, 23 à 25. Genèse chapitre 21, verset 33. Genèse chapitre 26, 23 à 25. Genèse 46, 1 à 2. J'aimerais que tu fasses juste attention à la lecture au nom des personnes dont on parle. Si on parle de qui? Genèse chapitre 21, verset 33. Et du lieu où ça se passe.
Abraham planta. Donc là, on parle d'Abraham. On est bien d'accord. Abraham planta des tamaris à Beersheba. Mm-hmm. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu de l'éternité. Amen. Abraham, Beersheba. On est en train de suivre. Deuxième lecture, Genèse chapitre 26, 23, 25. Genèse chapitre 26, versets 23 à 25. Il remonta de là à Beersheba. Ah, là, c'est Beersheba maintenant. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. » On parle de son père, c'est-à-dire son père c'était Abraham. Le fils c'est qui? Isaac. Et l'endroit c'est lequel? Beersheba. Mm-hmm. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac y creusèrent un puits. Voilà. Chapitre 46, versets 1 et 2. Genèse, chapitre 46, versets 1 et 2. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Et il offrit... Israël, c'est qui? Jacob. Voilà. Il arrive où? À Beersheba. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Avant, c'était le Dieu de son père qui? Abraham. Tu peux t'arrêter là, merci. Alléluia. Abraham avait un culte avec Dieu. Il a tellement inculqué à son fils que c'était resté, son fils l'a inculqué à son fils. Alléluia. C'est-à-dire, si tu le fais chez toi et tu les inculques à tes enfants, ils l'emporteront partout où ils iront. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, instruis l'enfant dans la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne pourra pas s'en détourner. Alors ce matin, je suis venu te dire, ouvre ta maison à Dieu. Alléluia. Amen. Je t'en supplie. Mets un culte de l'Éternel chez toi. Organise-toi. Tu n'es pas l'homme le plus chargé de la terre. Tu n'es pas non plus l'homme le plus nul de la terre pour ne pas y arriver. Alléluia. Commence petit à petit. Dieu sera avec toi. Alléluia. S'il faut demander des conseils, venez nous voir. Nous allons te conseiller. Selon l'âge de tes enfants, organise-toi pour que ça se passe au mieux. Alléluia. Le problème de culte familial, comme je suis en train de te dire, il faut les obliger. Obliger les enfants ne veut pas dire les irriter. Alléluia. Parce que beaucoup de parents irritent les enfants et ils les empêchent de venir à Dieu. Il faudra qu'ils comprennent que c'est un avantage pour eux, que c'est un plus pour eux. Et l'enfant ne comprendra que quand il verra toi l'exécutant avec minutie. Alléluia. Amen. Puisque l'enfant ne reproduira toujours ce que tu fais. Même si tu ne le vois pas, en bien ou en mal. Il y a des choses où tu le demandes, il ne le fait pas, mais derrière il le fait. Ouais. Jésus a donné une parabole comme ça. Un homme avait deux fils, il demande au premier, vas-y, il dit oui, mais il ne fait pas. Il demande au deuxième, il dit je ne ferai pas, mais après il fait toujours. Alléluia. L'enfant, il reproduit toujours ce que tu fais. Même quand tu ne veux pas, parle seulement. À un moment donné, il sera dehors. Vous vous rappelez de l'exemple du fils prodigue? Vous vous rappelez de cette histoire? La Bible dit ceci. Étant revenu en lui-même, il commençait à se dire, chez mon père, les travailleurs sont mieux traités. Alléluia. Bien qu'il a quitté la maison de son père, mais il a reconnu que son père était bon à ses travailleurs. Imaginez maintenant que si son père était pire là où lui était, est-ce qu'il serait revenu? Il faudrait que chez toi, qu'il y ait toujours un cadre où l'enfant, même s'il est dehors, il sait que j'irai chez mon père. Alléluia. Il a dit, je me leverai et j'irai chez mon père. Je lui dirai, traite-moi-même comme tu traites tes serviteurs. Parce qu'il savait que son père avait une façon de traiter les gens qui c'était bien. Alléluia. Chez eux, c'était bien, c'était bon à vivre.
ouvre ta maison, que ta maison soit une maison de Dieu. Faudra pas que les gens viennent chez toi, ils savent même pas mettre un pied à gauche ou à droite. Dès qu'ils sont comme ça, là-bas on touche pas. Alléluia. Il y a des maisons comme ça. On te fait comprendre qu'ici on blague pas. Pose pas ton verre où tu veux. Dis, mon frère, chez nous le verre ici, hein, pas là-bas. La Bible dit les autres ont accueilli des anges. Parce que chez eux, c'était bon à vivre. Alléluia. Abraham, quand il a reçu les trois hommes dans lesquels il y avait un ange, on leur a dit, il faut rentrer chez nous. Alléluia. La tsunamite, il a dit à son mari, même ne faisait pas attention. Non, il a dit, moi je remarquais que cet homme est un saint homme de Dieu. On va le faire rentrer chez nous. Alléluia. Dieu, ce matin, veut entrer chez toi. Est-ce que tu veux prendre l'engagement d'ouvrir ta maison au Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai trouvé la paix. La paix en Jésus. Oh, j'ai trouvé la paix. La paix en Jésus. En Jésus. Il nous séparera de l'amour de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Au moins je trouvais un père. Un père en Jésus. Je trouvais un père. Un père en Jésus. En Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Oh, j'ai